Eh bien, salut tout le monde, c'est Tilenkin dans une nouvelle vidéo de Fortnite Sauver le Monde. Donc, comme vous avez pu le voir dans la description et dans le titre, Morne-la-Vallée, me voilà. Donc, je vais vous. La vidéo d'aujourd'hui concernera la dernière mission de Villeplanche, donc on fait décoller la fusée. Je vais vous la lancer en même temps et je vais vous la commenter comme on a fait ces derniers temps. Ça a plu à beaucoup de personnes, donc pour l'instant, je reste sur des vidéos comme ça. Et vous continuez à me donner vos retours, comme ça, on verra ce que ça donne. Donc, lancement de la fusée. Morne-la-Vallée, nous voilà. Donc, comme d'habitude, des petits montages. On commence, on atterrit de suite sur la Blue League. Donc, bien sûr, pour avoir des Blue League gratuites, on commence par ça. On la déclenche, on l'active et on se barre. On attend qu'elle détruise. Ça fait deux Blue League gratuites. C'est toujours ça de prix et ça coûte rien. Vu qu'il en faut quand même 9 pour déclencher le. Comme vous pouvez le voir, j'ai accéléré, hein, j'ai attendu, je récupère les deux Blue League tranquillement après la destruction. Et c'est parti, on est en train de chercher. Au bout de quelques instants, j'ai pu trouver la fusée. Je partais dans ce sens, je me suis dit pourquoi je ne me retournerais pas. Et boum, qu'est-ce qu'on voit au fond? La fusée! Heureusement que je me suis retourné, sinon j'aurais tourné en rond pour rien. Donc pour l'instant, on était déjà 4 parce qu'au début j'avais commencé la partie, j'étais tout seul. Et là, en accéléré x4, on vide la zone des mobs, on casse tout ce qui bouge et on commencera la construction. Donc j'ai posé la Blue League pour voir d'où ils arrivaient. Ça c'est la base sur tous les jeux. N'importe quel game, on fait comme ça, on pose et on voit d'où ça arrive. Comme ça on peut préparer les pièges et compagnie. Donc j'ai vraiment élargi la zone pour couper, hein, pour tout tailler. Les lignes de vue, je les ai débloquées. Même celui-là, il ne sert pas à grand-chose, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et c'est parti. Je démarre ma petite construction de base. Pour l'instant, les autres, ils s'amusent sur le. Ils s'amusaient sur le cadeau. Ils étaient trois dessus, donc j'y suis pas allé. J'ai commencé à construire. Je ne savais pas s'ils allaient venir ou pas. Attends, on dirait un pro qui construit à une vitesse folle. Bon, là ça passait pas. Quand ça passe pas, on passe par le côté. Une fois. Je suis persistant. Deux fois. Et après j'ai arrêté. Je me suis dit ça sert à rien. Je vais passer pour un con à sauter tout le temps. Donc j'ai pas mis de balise, j'aurais pu en mettre une pour éviter que les ennemis pop et viennent m'emmerder, mais bon. C'est pas grave. Là, on change juste, ça évite de taper dedans, comme ça touche plus le sol et c'est fini. Là, on refait le même. Je me suis loupé, donc je vais me reprendre. Et comme vous voyez, dès que ça touche plus, c'est fini. Donc là, on positionne les sols pour faire les premiers pièges. Donc vraiment, j'ai pas mis grand-chose. Hein. Je suis resté en T2 pour le sol. J'ai mis quelques pièges comme ça. Après, c'est du niveau 40, on est 47, 43, 37 et moi je suis 42, 41 pardon si je me trompe pas, 41, 42. Donc vraiment, par contre comme vous allez pouvoir le voir, je me suis mis à poil niveau ressources et il faut que je refarme. J'ai pris l'habitude de prendre les répulseurs, même s'ils sont pas montés, pour quelques ennemis ça fait le taf, ça me laisse le temps de tourner en rond de la map. Et de pouvoir te faire un petit dragon pour les ennemis qui sont focus au même endroit. Donc les petits dynamos sur les petits murets. Et du coup, je mets à l'extérieur les petits pics, les petits pieux pour les ralentir. Comme je vous ai dit, ça me laisse le temps vraiment de tourner en rond de la structure et de faire des petites attaques de dragon. Après, comme je vous ai dit, c'est pas du niveau du gros niveau. On n'est que niveau 40, le lancement de la fusée, donc ça passe. Ça devrait passer surtout à 4. Là, j'ai l'autre qui est venu arriver et il me met des picots où je vais les mettre des pieux. Donc du coup, s'ils veulent passer par là, on fera pas de dégâts. Donc eux, ils avaient fait une petite kill gate là-bas qu'on ira voir avant la partie. Donc je finis de placer mes 2-3 petits pièges.
Et voilà, donc là, c'est parti. Avant de commencer, je vous montre les petits trucs qu'ils ont fait. C'est leur contribution à la construction. Ils ont fait ça. Bon, je récupère les petites pierres qu'ils ont laissées. Hein. Et ils m'ont entouré tout ce que j'ai fait. Donc ils m'ont mis des murs de partout. En bois, donc je vous laisse imaginer ce que ça va faire. On a beau être en 40, il faut pas pousser mes amis dans les orties quand même. C'est du bois. Donc voilà. Là, j'attendais en fait parce que en hauteur, il y en a un qui. Moi, je vois des trucs briller, j'y vais, je suis une petite pie. En fait, il y en a un qui essaye de déclencher le truc, il n'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me casse le mur avec mon piège. Pour pas lancer, parce qu'il n'y arrive pas à passer. Et là, t'as envie de le frapper. Lui mettre un coup de pioche, un coup d'épée. Du coup, ça va, j'en avais encore, je la remets un. Mais vraiment, vraiment pas cool ce qu'il fait. Quand il y a des pièges, on les dégrade pas. Du coup, il y a l'autre qui essaie de passer par le haut. Il n'y arrive pas non plus. C'est peut-être une petite comédie quand même. Hein. On les voit galérer alors qu'il suffit de faire paf, paf, et la porte est là. Et tout simplement, c'est passé. Bon, bref, les gars, je vous en veux pas. Hein. On peut pas tout savoir. Hein. Je suis pas le meilleur, mais bon, quand même, on sait ça. Donc c'est parti pour la première défense. Hein. 2 minutes. Je vous laisse apprécier le spectacle. Comme vous pouvez le voir, on commence à peine et ils ont déjà mal les bois. Les bouts de bois ont très mal. Ouais. Et moi, je mouline dans le vide. Du coup, voilà, comme vous voyez, je tourne autour de la structure, je regarde. Ah oui, il m'avait fait ça là-haut comme structure. J'ai pas pensé à la fin, là, regarder la structure, mais il doit pas rester grand-chose. Hop là, le double saut n'était pas là. Franchement, je le redis, mais les chiffres en feu, c'est trop beau. Alors là, j'ai pas compris pourquoi j'ai été stoppé sur mon attaque du dragon. J'ai pas réussi à comprendre. Est-ce que les picots m'ont stoppé ou pas, ou il y a eu un bug? On a vu que je prenais l'élan, mais rien de plus. Je ramasse mes petites ressources. Encore un fracasseur 40. Bon, il n'est pas repoussé, bien sûr. Hein. Mais bon. La première défense, en 20 secondes. Après, comme vous verrez, je suis quasiment tout le temps à l'épée. Ah, je kiffe. Alors, ils m'ont remis du bois T1 pour réparer. C'est de mieux en mieux. Moi qui ai l'habitude des défenses haut de gamme avec Molosse et comment ça s'appelle? Et Red, Lord Duty. Là, ça fait un peu pitié quand même du T1. Donc là, on est parti pour la deuxième défense. 3 minutes de défense. Donc au final, pour l'instant, on voit que ça n'a pas trop servi à grand-chose, les constructions, les pièges, pour la première défense. Donc je vous laisse admirer un petit peu le travail de la deuxième. Un peu plus de monstres qui tombent du ciel, qui tombent de l'ouest. Donc là, même pas, ils ont, je sais pas si vous avez vu derrière moi, même pas, ils ont pris la peine de réparer. Moi, je répare pas, c'est pas mes constructions. Parce qu'au final, on met des pièges pour rien si... Si on met des pièges pour empêcher d'aller au piège. Après, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand monstre hein, qui venait. Déjà, le Papa Noël, je crois que j'en ai pas vu. Mais il était temps. Ah si, Ah non, non, c'est des feux. Donc moi, je fais des petites sorcières. Je crois que c'est même pas moi ou c'est le coup de vent qui l'a tué, mais je crois qu'il avait infection sur l'arbre. Alors, le fail, j'ai voulu faire mon veau avec les shurikens.
Ben, les shurikens, c'est pas ça. J'aurais dû tirer beaucoup plus haut. Donc on a déjà fait la moitié de la défense. Et ben on se fait chier. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis pour une dernière mission. Au final, c'est une mission que presque à tenter seul pour avoir un peu de difficulté ou à deux. Parce qu'à quatre, là, ben on court un peu contre les ennemis. Hein. On cherche. Hein. Là, j'en ai, je suis content. Un petit dragon, ben, il n'y a plus rien. Ben ouais, regardez. Après, est-ce que le fait de jouer, d'avoir commencé à jouer à Mandala Valley avec les Red Molos Company, là, Lord The Death, est-ce que le fait de revenir à mon niveau, ben, je m'ennuie pas. C'est peut-être pour ça, en fait, habitué à la difficulté. Ouais, peut-être, je sais pas. Bon, j'ai mis mon petit truc pour soigner au cas où, dans l'espoir que je serve à quelque chose. Donc, plus que 20 secondes. Hop là, moi je cours après mes petites sorcières qui me font chier à courir là. Super galère. Elle est classe là quand même l'épée. C'est la tempétueuse en feu. Ben, j'en suis. Elle est vraiment. Franchement, elle est pas mal. Et voilà, on attaque la troisième défense. 4 minutes. Avec toujours nos constructions de base. Et là, j'ai encore loupé. Franchement, j'ai du mal avec les shurikens. Vous avez vu, j'ai voulu faire mon malin toute la partie avec les shurikens. Et là, je les prends par derrière. Vu que je joue tout le temps l'épée, un petit maître des épées, la Ken, j'aimerais bien au moins le tester. Depuis que je l'attends, j'ai peur d'être déçu, mais bon. Vous voyez les monstres, franchement, j'ai pas l'impression que c'est du niveau 40. Après, comme vous pouvez le voir, avec les bonus de tout le monde, je suis niveau 57. Peut-être que j'ai attendu trop longtemps avant de passer à Mandala Valley. Je sais pas. Mais bon. Ah, là, je l'ai eu avec les shurikens. Ça fait plaisir. Donc, le maître des shurikens, vous avez compris, c'est pas pour moi. Le. Quoique, regardez là, si je me trompe pas. Ah non, c'était avec ça que j'ai fait. Ouh lolo. Ah merde, ils étaient là. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, une fumigène et il n'y a plus personne. La fumigène aussi, c'est vraiment bien. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais franchement, n'hésitez pas. Quand vous êtes entouré, une petite fumigène et. Et voilà. Et là, on attaque les. Au bout de combien ça va faire? 2 plus 3 ça fait 5 plus 4, 9 minutes. On est à 7 minutes de jeu. J'ai compris que le pop était là et que si je faisais des attaques du dragon, ben, c'était mieux. Donc, vaut mieux tard que jamais. Hein. J'aurais pu m'amuser beaucoup plus. Ben là, je peux rien faire. Hein. Ils ont tout pris. Donc, je cours après les ennemis. Voilà. Sorcière et je cours. Vous pouvez voir, il n'y a pas grand monde qui passe. Hein. Après, cette épée, elle est vraiment classe. L'animation des dégâts avec les flammes, j'adore. Et là, on fait le malin ou on fait pas le malin? Pop! Et qui sait le mettre des shurikens maintenant? Qui sait? Ah, franchement, ninja, j'adore. Mais du coup, je joue rarement avec les armes à feu. Je suis tout le temps avec les épées. Il y a trop d'ennemis. Une petite bombe fumigène ou bien. Voilà, là, je l'ai mis avant qu'ils arrivent. Ben, ils meurent comme ça.
Voilà. C'est déjà fini, hein. Vous vous rendez compte que c'est assez court quand même. La mission, je suis parti, j'étais quasiment full ressources. J'ai le temps que je vienne, qu'on mette mes 2-3 pièges et qu'on fasse 9 minutes de défense au final entre les 3 hommes. On a mis quoi? 15 à 20 minutes maximum pour cette mission. Donc là, c'est pas fini, mais bon, on vient profiter du spectacle. Au revoir. Bye bye. Coffre 6 en plus. Alors la seule chose qui m'embête, je suis content de passer à Morne-la-Vallée. La seule chose qui m'embête, c'est de perdre Ray. Ray, elle nous a dit adieu. Là, c'est, je suis triste. Elle me faisait trop rigoler. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on va découvrir Morne-la-Vallée désertique. Un mot, désertique. Avant que je mette tout mon métal, mes pierres. Mes pièges, autant admirer un petit peu le paysage. Et je suis content quand même de partir de Villeplongeon, j'en avais marre. Mais bon, je vais y rester un moment à Morne-la-Vallée vu que c'est compliqué. Et voilà, Morne-la-Vallée, le petit western de Fortnite. Mon petit cactus. J'ai même pas envie de le couper. Franchement, je vous le dis, je vais peut-être en laisser parce que c'est tellement beau. Allez, on se met en vue en 360. Et c'est magnifique. Franchement, j'adore. Tout ça à découvrir, mais ce monde, je trouve qu'ils font des merveilles. Donc, j'espère que cette vidéo de fin Villeplanche et début de Morne vous a plu. Fin Villeplanche, entre guillemets, il me reste la défense 7, 8, 7, 8, 9, 10, 4 défenses, il me reste. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo de Fortnite Sauver le monde.